Et salut à tous les amis, je suis Goltor Barbefer, comment allez-vous? Moi je vais bien, hein. Je me suis fait une frayeur d'enfer, mais bon je vais vous expliquer ça après. On se retrouve aujourd'hui sur Beyond Earth pour une autre vidéo de tuto aventure, en rattrapant les conneries hein, que j'ai fait. Parce que j'ai oublié de vous parler de pas mal de choses, mais heureusement il y a des gens qui sont au taquet, et je les remercie d'ailleurs pour me rappeler que bah, j'ai oublié certains trucs, donc je vais corriger tout ça. Goltor, au travail, qu'est-ce que tu fais là? Allez hop 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 hop, au boulot! Mais qu'est-ce que tu fous déjà en plus dans cet écran titre? T'aurais pas pu charger la partie? Oui, mais non. Alors en fait, pourquoi je vous dis aussi que j'ai eu très peur là, juste au début, c'est que le Goltor, il s'est retrouvé avec un plantage de sauvegarde. Mais un plantage, pas un plantage. Un plantage, un vrai, un dur, un truc qui fait peur quoi. Je suis en train de commencer à tourner la vidéo. J'ai fait quoi les 5... Non, j'ai fait quoi 10 premières minutes même pas. J'étais en train de commencer à raconter ma vie, des conneries tout ça. Enfin bref, comme d'habitude quoi, vous commencez à connaître l'histoire. J'expliquais quelques petits trucs par-ci par-là et d'un coup plantage. Je dis bon, ça lag un peu, sans plus. Commencer à vraiment à me chier dessus. Donc en mode position fœtale PLS au coin de la... au coin de la pièce en train de pleurer, tu sais, avec la pluie qui me tombe dessus. En mode... comment je vais faire? Je vais pas recommencer 4 heures de vidéo. Mais non, non, heureusement, tout va bien. Je sais pas si vous vous rappelez, dernière vidéo, j'ai fait une sauvegarde rapide sans faire exprès. Et ben ça m'a sauvé la vie. Parce que la sauvegarde de base était corrompue, donc impossible d'y refoutre les mains dessus, c'est pas possible, elle était morte de chez morte. Mais heureusement, j'ai pu charger la sauvegarde rapide, faire quelques trucs, réenregistrer par-dessus la sauvegarde normale. Là, ça n'a pas marché du tout. Donc j'ai dû supprimer la normale, refaire une nouvelle, et du coup, ça marche. Enfin bref, de toute façon, vous en battez les couilles. Vous avez pas... Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est bien, Goltor, je suis content, t'as des soucis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des informations sur le jeu. Ta vie, je m'en fous. Et vous avez raison, d'ailleurs. Donc je vais arrêter de parler de tout ça. Et donc on se retrouve voilà pour un nouvel épisode avec ma petite liste mise à jour avec tout ce que j'ai oublié de vous dire et j'ai changé d'avis par rapport à la dernière vidéo. On va partir jusqu'à la fin. J'ai décidé qu'on allait faire ce que sur le truc sur lequel j'étais parti au tout début, c'est-à-dire faire le jeu jusqu'à la fin, défoncer tout le monde. Et de toute façon ça va pas être très compliqué parce qu'avec la puissance qu'on a maintenant, ça va... On va un petit peu plus les dérouiller, on va plus partir sur l'assaut des villes. Donc je pense qu'on peut faire partir facilement, sans déconner. Une, voire même deux, factions d'un coup par vidéo. Donc voilà, hein, ça va aller vite. Pour ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Surtout, ne traînez pas trop parce que ben, on arrive à la fin. Et une fois que j'aurai terminé ben, ce tuto aventure, si jamais j'ai des trucs que j'ai oublié... Putain, ça charge à chaque fois à l'arrache. Si jamais j'ai oublié des trucs que vous me le rappelez un peu trop tard, ben, du coup, ça va être... Je pourrais vous répondre évidemment dans les commentaires. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en vidéo, ce sera plus compliqué à remontrer. Quoi. Allez, donc c'est parti. Petit 1, Goltor, tu vas nous parler d'une chose qui est assez... c'est tout con, mais je vous en ai pas parlé, c'est vrai. Attends, combien de tours il manque ça? 2 tours et 4 tours? Est-ce que je peux? Ouais, bah, c'est bien, je peux vous en parler. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux villes côte à côte? Qui sont jumelées ou juxtaposées ou ce que vous voulez, ouais, au niveau du territoire. Donc, cette ville gère ce territoire et cette ville aussi. Et comment qu'on fait? Hein? On se tape dessus et celui qui gagne récupère les terres? Non, heureusement c'est pas comme ça. Vous pouvez cliquer sur une ville et vous avez un petit truc là qui s'appelle, voilà, enfin qui est marqué là. Cette case est actuellement exploitée par une autre ville de votre civilisation. Vous pouvez cliquer ici pour l'exploiter mais ce sera au détriment de l'autre ville. Donc on peut comme ça récupérer, et inversement, hein, si je clique sur celle-là, voilà, récupérer des cases pour les allouer à telle ou telle ville si vous êtes un petit peu dans la merde et que la première est un peu trop petite et que la deuxième... un peu trop grande. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça à dispatcher les territoires. Donc ça c'est fait, t'as vu un peu? Hein? Le Goltor, ça fait 4 minutes qu'il fait la... qu'il en début de... à peine 4 minutes il a déjà... petit temps, alors je prends mon petit stylo, hop je raille ça, ça c'est torché. J'adore quand c'est efficace comme ça, putain je trouve, là je sens que ça va être bien. Bon allez, ça suffit les conneries, on va partir sur le petit agent, j'ai oublié de vous en parler de ça aussi. Enfin, je vous en avais parlé vite fait, je vous avais déjà montré un petit peu comment ça se passait avec les agents, les missions qu'ils avaient, mais je suis pas rentré vraiment dans le détail. Et là c'est ce qui se passe un peu, on arrive en fin de partie, et enfin en fin de tuto aventure, et je vous ai expliqué tous les mécanismes avec lesquels je joue le plus.
Mais c'est vrai que je vous ai pas parlé des mécanismes avec lesquels je joue le moins. Autrement dit, le centre des opérations secrètes, avec les agents, et aussi les satellites. C'est deux trucs que je vous ai parlé, mais j'ai pas trop expliqué. Et il y en a qui m'ont demandé, ouais, bah, oui, mais comment qu'on fait, quoi. Donc on va voir tout ça, voilà. Donc on va signer cet agent ici. Pourquoi ici? Parce que c'est la seule ville qui a un petit peu de conspiration, hein, vous voyez. La conspiration, c'est ces petits cubes qui peuvent monter à 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, on va aller là-dedans. On va lui dire, tu vas là-bas. Et dans 3 tours, il sera là-bas. Donc pour l'instant, rien de spécial. La conspiration, rappelez-vous, elle augmente quand vous avez de l'insalubrité dans la ville. Ça commence à partir en couille, les gens ils s'énervent complet, voilà, bref. Donc la conspiration augmente. Ou quand vous avez mis des agents. Là par exemple, j'ai mis un agent chez lui. J'ai commencé à établir mon réseau, faire quelques petites opérations secrètes, bref, lui briser les burnes, quoi. Voilà. M'amuser à vider son pot d'encrier pour plus qu'il puisse signer les déclarations de guerre et tout ça, par exemple. Hein. C'est tout con. Hein. Et du coup, la conspiration va augmenter. Et après, plus il y a de conspiration, plus j'ai de choix de quêtes, enfin d'opérations. Alors, que voulez-vous, vous? Non, mais vous, chut, taisez-vous. Non, 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 non et non. C'est vite vu, j'ai plus besoin de vous pour rien du tout. Alors, donc on va partir un petit peu plus sur la science. Hein. Mon but est de vous montrer toutes les technologies qui existent, de toutes les débloquer. Donc on va faire ça, hein. On va construire tous les bâtiments, les unités, on va finir tout ce qu'on avait dit. Alors, le Goltor il voit dans le futur, c'est ça qui est un peu con, parce que comme j'ai dit, j'ai fait les 10 premières minutes du jeu et j'ai vu qu'il s'est passé des choses, donc du coup je sais ce qui va se passer pendant les 4 ou 5 tours qui vont arriver là. Donc le Goltor il va être préventif, c'est à dire que le Goltor il va aller chez Ayan, il va acheter directement une batterie de missiles pour augmenter la défense de la ville et ainsi que les dégâts. Voilà, et en plus je vous réserve une surprise. Là je suis sûr que là il y en a plein, ils vont dire non c'est pas possible, Goltor t'es malade. Mais qu'est-ce qui se passe? On va mettre un périmètre de défense aussi, on va booster la ville. Quête. Des physiciens de notre tout nouvel Des physiciens de notre tout nouvel observatoire ont découvert dans la troposphère de cette planète une forme unique d'oscillation des positrons. Parle-moi meilleur ou je t'en mets une. C'est le truc qui commence déjà, il t'agresse d'entrée avec des mots scientifiques. D'après les premières expériences, nos programmes de missiles balistiques pourraient tirer parti de ces effets pour gagner en stabilité pour les vols longue durée. C'est maintenant une nouvelle question qui se pose. Comment va-t-il mieux utiliser cet avantage? Pour les défenses de la ville ou pour les véhicules orbite? Améliorer les défenses de la ville ou améliorer les couvertures? Plus de couverture orbitale. D'ailleurs, en couverture orbitale, on en est où là? Voyons. Ouais. Oh. Oh putain de ça. Ah oui, c'est... Putain, alors ça, je me rappelle plus. Je vois que sur tous les minerais de Phyraxite, on peut... C'est considéré comme notre territoire, mais je sais plus pourquoi. Comment on a fait ça? On a dû répondre à une quête ou faire une merde dans le genre qui nous a permis de faire ça. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant des quêtes, on en est où là? Quête. Qu'est-ce qu'il nous demande? Fonder une ville adjacente à une case d'aéroche. Ouais, bon, ok. Retour l'envoyeur. Lancer une de... toute unité... Alors là, vive la France. Lancer un de toute unité orbitale. Zéro actuellement. Moi, parler la France. Toi, comprends-tu où je veux l'en viendre? Lancer... Lancer une unité orbitale, je pense. N'importe laquelle. J'imagine. Effectuer l'opération secrète, établir un réseau à Deep Castle. Ah, il veut que je fasse un truc spécial. Alors, attends. Prospérité, je vais te réassigner, donc, à Deep Castle. Écoute, on va faire la quête, hein. Deep Castle, allez, tu vas là-bas. Bon, dans deux tours, il sera bon. Alors lui, c'est un agent spécial, il a monté en niveau, alors je sais plus comment. Et lui, bah, il est pas monté de niveau, c'est une recrue de merde. Ok, on va faire ça, on va voir ce qu'il veut, on va voir les quêtes. Donc, je vous ai parlé des villes adjacentes. La surprise dont que je vous préserve, c'est en fait de faire copain avec les aliens. Alors vous êtes en train de dire, non mais c'est pas possible, attends, vous êtes en train de vérifier si vous êtes bien sur la chaîne de Goltor. Oui, je vous assure, vous êtes bien sur ma chaîne. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ça? Ben en fait c'est tout con. Je me suis dit, c'est vrai que je vous en ai parlé, comment faire, de comment faire pour être copain avec les aliens. Mais je me suis dit, je voulais pas montrer réellement, donc...
vous êtes en train de vous dire ouais, mais d'un autre côté vous êtes en dire bof. Vous êtes en dire c'est voilà, ce serait bien que tu nous le montres Goldthor, donc je vais vous le montrer. Ne paniquez pas, on va essayer de parler français. Toi, il te reste combien de tours? 2 tours, et la loi martiale dégage, c'est bien. Toi, il te manque 6 tours pour construire ça. Donc c'est très simple, on va utiliser Ayan pour récupérer, donc comme je vous avais dit, hein, ceux qui ont suivi le truc, de prendre, c'est bien, ils sont passés en vert en plus, de prendre contrôle grâce à mon territoire de cette case là où il y a un nid, et au fur et à mesure, les aliens vont être contents. Donc c'est ce qu'on va faire, on va acheter les cases, hop, j'achète ça, et hop, j'achète ça. Putain, et ce... Putain, je génère 62 par tour. Putain, c'est bon ça. Donc ça y est. Maintenant, j'ai un nid extraterrestre sous le contrôle de mon territoire. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et au bout d'un moment, ils deviendront gentils. Et à ce moment-là, tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, l'agent est arrivé à... Bon, ben très bien. Tu vas m'établir un réseau. Donc là, justement, je vais vous en parler. Pour établir un réseau, vous voyez, niveau 0. Donc ça demande 0 de conspiration. Tout va bien. Voler de l'énergie aussi. Par contre, si on regarde vol de science, il faut un de conspiration. Voilà. Donc je vous avais parlé hein, des chances de réussite et tout ça, ça vous connaissez. Hein. Et donc quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'était possible de prendre le contrôle d'une ville? Oui, mais c'est délicat. Il faut que la conspiration soit au maximum, à 5. Et à ce moment-là, vous pouvez lancer un coup d'état. Personnellement, j'ai jamais réussi à le faire. J'ai réussi à monter la conspiration à 5. C'est pas compliqué. Vous mettez un agent à l'intérieur, vous foutez le bordel en faisant plein de missions. Vous pillez toutes les cases tout autour. Les mecs ils sont en train de gueuler de partout, les gens ils meurent de faim, il n'y a plus de santé, enfin bref c'est la merde totale et à ce moment-là la conspiration arrive au taquet. Et c'est là que vous pouvez lancer le coup d'état. Mais j'ai jamais réussi à... ça n'a jamais abouti. Bon, peut-être qu'on arrivera dans cette vidéo. Donc hop, tu établis un réseau. Tout va bien. Donc dans 3 tours ce sera fait. Non, Porgov, dégage. Dégage, chut, voilà. Alors les quêtes. Un nouveau jardin génique sera bientôt notre centre de recherche et de conception génétique. L'un de nos citoyens les plus riches vient tout juste à sa mort de léguer une somme importante au jardin pour que celui-ci mette tout en œuvre afin de combattre la maladie génique qu'il a emportée. Les conseillers du jardin génique proposent plutôt d'ouvrir en son nom une branche dédiée à l'éducation qui permettrait à l'endroit de gagner plus d'argent. Plus de 4 énergies ou plus 1 de santé. Vous connaissez le truc, plus 1 de santé. On a des statistiques de santé qui sont mais... Putain de bordel, regardez-moi ça. Ça vous colle pas la trique sans déconner? Non, si vous dites oui, c'est... Non, il faut dire non, là. C'était un taunt, il fallait pas répondre à ça. Regardez-moi ça. Plus 20% de production, 40% de conspiration au moins, 20% de science, et donc on n'est pas au maximum de tout, mais je crois qu'il faut arriver à 40. Et quand on arrivera à 40, on aura 20% de culture, 20% de croissance et 40% de croissance des avant-postes aussi. Voilà, c'est les stats maximum, vous pouvez pas aller au-dessus. Mais bon, déjà, c'est phénoménal, hein, avec tout ça, 20% de production. Je sais pas si vous voyez un petit peu, quoi, c'est la violence utile. Donc toi, tu as terminé. Bah écoute, tu te démerdes. Allez, hop. Au travail. Vous avez fini la loi martiale? Prochain tour, bon. Et donc là, le Goldthor, il voit dans l'avenir. Normalement, je devrais avoir un message d'un chinois. Qui va venir me briser les burnes. On va voir, mais normalement, c'est là. Ah, je sais, c'est chiant. Parce que... Ah non, si, il est content. Bon, c'est bizarre. Ah, c'est marrant, ça. Du coup, il y aurait de l'aléatoire dans le... Ils m'ont attaqué, moi? Mais pourquoi vous m'attaquez, bande de cons? J'essayais de faire copain avec vous. Vous êtes... Ils sont débiles. Bah, tu continues l'exploration. Je rappelle, je vais pas piller les nids. Hein. Mon but est de faire copain avec eux. Hein. On va essayer d'être gentil. Donc, continue à explorer, tout va bien. Faites votre travail, hein, les gars. Moi, il m'en fout. Alors, Susan Fielding a déclaré la guerre. Tout le monde se déclare la guerre, tout le monde se tape sur la tronche. Mais vous inquiétez pas, ça va vite nettoyer. Donc, je pense que l'assaut va partir d'ici, de prospérité, jusqu'à centrale. C'est pour ça que j'ai mis mon espion ici, évidemment, vous en doutez. Pour vraiment l'emmerder. Alors, les espions, ils en sont où, là? Prochain tour. Bon, ok. Toi, tu vas faire l'institut. Hein. Institut le dit, c'est que ça doit être vrai. Et ici, alors ouais, le truc de savoir, maintenant, on en a besoin. 30% de santé nette en culture supplémentaire. Boum! Et ensuite, on va aller là. Conspiration de la ville diminue plus vite. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on foutra plus vite la merde chez les autres cons. Ce sera plus pratique pour nous. Et ensuite, par contre, il y a des bonus ultra sales de fin de partie.
Par exemple là, pénalité de culture, moins 40%. On a aussi pénalité de science, moins 40%. Voilà, vous savez, vous avez parlé pendant, dans le dernier épisode de la bouffe, de la santé aussi, surtout, qui fait que plus vous avez de villes, enfin, vous avez un malus pour chaque ville, en fait. Donc, il faut pas développer trop vite, sinon vous vous retrouvez avec plus de malus que de bonus, le temps de remettre les bâtiments pour monter tout ça. Comme vous avez dit, pris exemple, par exemple, moins 4 partout. Ah, Engine Bone, relation dégradée, il va me déclarer la guerre ou pas, là? Non? Il est censé me déclarer la guerre, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. La façon la plus simple de comprendre les systèmes sociaux et de les intégrer en code. La meilleure façon d'optimiser les systèmes sociaux est de laisser le code changer le monde. Oui, je m'en fous. La preuve mathématique est le seul fondement éthique que je puisse respecter. Évoluer en mathématiques, c'est évoluer en moralité. Ouais, bon d'accord. Rappelons-nous que l'humanité a déjà échappé à un désastre dont elle était la cause. Ouais, avant nous, aucune autre vie sur Terre n'avait eu la sagesse de comprendre ou la force de surmonter les événements. Ok, donc maintenant les terres aménagements nous donnent plus d'énergie et de santé. Donc là la santé elle va partir mais tellement haut. Et en plus de ça, si j'augmentais l'harmonie et tout ça, bon, oui, mais on s'en fout. De toute façon, on sera amené à récupérer un petit. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bébé! Bah. Mais pars-toi! Y'a aucune zone à explorer. Tu te fous de ma gueule? Et ça, c'est quoi ça? C'est pas une zone à explorer, gros con? Merde, pourquoi il est bloqué? Bah écoute l'alien, hein, je suis gentil avec toi normalement, mais bon, faut pas avoir à me casser les couilles non plus. Voilà, désolé, mais bon. Donc, toi tu vas là-bas, tu vas... Oh putain! Alors ça... Là par contre, c'est... Là vous devez avoir la trick normalement. Ça demande 42 tours, je vous rappelle qu'on est dans ma capitale. La capitale la plus balèze, celle qui construit au taquet, ça demande 42 tours. Vous êtes en dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pour demander 42 tours? Alors ça me donne plus 5 de capital. Ça, on s'en bat un petit peu les steaks, on peut se le dire. Par contre, les unités militaires combattent à pleine puissance, même lorsqu'elles sont endommagées. Et alors ça... Je vous avais parlé du fait que les unités, par exemple les Marines, s'ils sont en groupe de 8, il y a 8 petits Marines, s'ils se font désinguer 4 Marines, eh ben ils font plus que 50% des dégâts, parce qu'ils ont perdu 50% de leur unité. Tandis qu'avec cette merveille, même s'il en reste un, il va taper aussi fort que tous ses potes avec lui, même s'ils sont morts. Alors ça va être génial ici. On va améliorer nos petits sous-marins qui augmenteront les dégâts contre les villes. Voilà le petit blindé qui va augmenter des dégâts de base. Et voilà, c'est parfait. Maoué. Sur quoi il fallait que je parte? Je me rappelle qu'il fallait que je vous parle d'une chose. Alors attendez, je regarde mon petit calepin. Oui, c'est bon, ça y est, je l'ai. On va partir là-dedans. On va partir là-dedans pour vous parler un petit peu du satellite espion. Parce qu'on m'a demandé de parler un petit peu plus des satellites. Donc on va faire ça. En dehors de la répulsion étendue d'elle, les xénobiologistes ne sont pas certains des effets de la nouvelle barrière ultrasonique sur la faune locale. Les premières études montrent que la barrière attise l'agressivité des extraterrestres et qu'en limitant sa production, ceux-ci seraient plus partagés qu'entre nos convois commerciaux et nos navires marchands. Une autre option consisterait à en augmenter la portée afin de protéger la ville. Plus de portée? Ou que les convois restent tranquilles? Non, plus de portée, de toute façon ils vont être potes avec nous. À part le fait là que j'en ai buté un, d'ailleurs ils en sont où là? Ils sont agressifs ou pas agressifs? Non, ça va, ils vont bien. On s'en fout. Ah, ils sont à leur position. Alors, elle est là la ville, je crois. Voilà. Donc elle est pas tout à fait un 1. Donc on va choisir la mission, mais de toute façon on n'a pas grand chose à faire. On peut faire ça. Il va essayer de voler de l'énergie à la ville. 65% de chance de réussite et que 36% de chance de survivre. Putain, t'es de la merde. Ah mais non, mais c'est Deep Castle lui. Bah, étant bien réseau. Voilà, c'est lui Galliero. 654 d'énergie, putain! 75-60. Mais vas-y, au travail! Hein, les 4 tours pour établir le truc pour la quête. Allez, allez-y. Donc voilà, on va partir sur cette technologie pour montrer un petit peu plus les couvertures orbitales et le fait d'explorer des zones. De voir un petit peu ce qu'il y a dans les villes et tout ça sans être trop emmerdé. Ici, on en est où niveau construction? 2 tours avant de terminer ça. Ici, il en a 6. On génère beaucoup d'argent. On va booster un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, hop, non, mais pas ça. Toi, tu fais ta vie. C'est ça que t'appelles explorer, toute ma gueule. Si c'est ça, c'est pas grave. Toi, reviens là, le monstre, voilà, toi. Prochain tour, je veux prendre ton contrôle. Quête, ça m'intéresse pas, ciao.
Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'un truc dont on m'a posé question. Comment faire pour avoir des unités embarquées? Comment mettre des soldats à pied dans des bateaux ou dans des avions? Et comment mettre des avions dans des plus gros avions ou autre? Alors j'ai répondu par commentaire, mais c'est pas si explicite que ça. Donc du coup, je vais vous faire des exemples hein, purs et durs qui vont vous montrer comment ça se passe. Donc là, vous voyez que cet ouvrier est sur un espèce de bateau. Tandis que... On va bien avoir un autre ouvrier qui traîne dans les parages qui est pas sur un bateau, non? Bordel de merde. Comme par hasard. Petit ouvrier. Putain, j'en ai pas d'autres. Putain, j'en ai que deux ouvriers? Ouais. Bon, mais c'est pas grave. Alors toi, déjà, tu dégages, dragon des mers. Je te veux plus en ma possession. Hop. Donc, en fait... Vous n'avez pas d'unité de transport, malheureusement. Enfin, il y en a deux, mais je vais expliquer un petit peu plus ça. C'est pas vraiment des unités de transport. C'est qu'en fait, du moment que vous avez un... Comment ça s'appelle? Un véhicule terrestre, ou alors une unité terrestre qui va sur l'eau, quand vous arrivez au bord de l'eau, par exemple, vous avancez jusqu'ici, vous avez, on va dire, 4 de... même 5 de déplacement, on s'en fout. Vous faites de là à là 2 de déplacement. Et pour aller d'ici à l'eau, ça va niquer tous vos autres déplacements. Et donc vous allez monter sur un petit bateau et vous serez dans un bateau. Le problème c'est que à la base c'est des unités terrestres. Donc du coup elles seront très très mauvaises et elles perdront beaucoup de puissance du fait d'être comme ça sur la flotte alors que c'est censé être sur la terre ferme. Donc du coup il n'y a pas de navire de transport à proprement dit. À part deux choses qui servent un petit peu de transport. Le premier, c'est une technologie qu'on débloquera, qui est en fait un satellite qui nous qui permet de téléporter... Oui, j'accepte. Oui, ta gueule. Qui permet de téléporter des unités d'un point à un autre de la map. Donc ça, c'est complètement pété, hein, ça on est d'accord. Et ensuite, on a une autre unité qui est le porte-aéronef, qui est un porte-avions, tout simplement, hein, sur la flotte. Un gros truc de 10 000 tonnes, là, c'est le char de Gaulle, pareil, comme vous voulez. Et qui, lui... permettra d'envoyer des unités, dont une unité qui est les petits avions qui permettent d'attaquer. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rappelez du dernier épisode. J'étais par ici, je venais prendre cette ville, et lui m'envoyait des avions m'attaquer. Et j'avais mes lance-missiles, mes artilleurs qui lui tiraient dessus. Ces avions en question, c'est très simple, c'était les DAR. Voilà, ceux-là, qui peuvent attaquer depuis une ville, qui ont 7 de portée d'attaque, donc c'est génial. Mais vous pouvez le mettre dans un porte-aéronef. Donc un petit bateau. Et donc à partir du petit bateau, vous pouvez savater la tronche de ceux qui sont à côté. Tout simplement. Attends, mais type Castle, j'ai fait la quête là, qu'est-ce que tu m'emmerdes toi? Livraison de dossier à Deep Castle. Ah, donc c'est une quête vraiment spécifique. Livraison de dossier, bah vas-y, fais le travail. Voilà, donc du coup, à part ces deux unités là, enfin ces deux trucs dont je vous ai parlé, le drone, enfin pas le drone, le satellite de téléportation et le porte-aéronef, vous ne pouvez pas mettre des unités dans un avion, dans un bateau ou un truc comme ça. Le seul moment où ils vont dans un bateau, c'est automatiquement quand vous traversez des zones de mer, alors que c'est des unités terrestres ou des véhicules ou tout ce que vous voulez. Il y en a qui trichent évidemment, hein, comme par exemple notre petite lève qu'on va commencer à créer de manière assez violente, lui il vole donc il en a rien à péter. C'est pas un avion, c'est pas une unité terrestre, c'est un... Voilà, c'est... Hein? Bon. C'est un truc un petit peu entre les deux. Il m'a pas déclaré la guerre, l'autre, là. Eh, vous savez quoi? Je suis en train de... C'est chaud, ça. Je viens d'apprendre un truc. Comme quoi, même après 50 heures de jeu, je viens d'apprendre un truc. C'est que... Il y a de l'aléatoire dans le jeu, en plus de ça. Putain, mais c'est génial! À moins qu'il me déclare la guerre ce tour-ci, mais... Dans les 10 premières... Ça fait combien de temps? Ouais, bah ça fait plus de 10 minutes qu'on fait ça. Dans les 10 premières minutes du jeu tout à l'heure que j'ai essayé d'enregistrer quand je vous ai parlé que ça avait planté complet, l'autre, il m'avait déclaré la guerre direct pour me sauter sur la gueule et tout. Et là, il me le fait pas. Le principe de la guerre n'est pas de mourir pour votre patrie, mais de pousser l'ennemi à mourir pour la sienne. Oh. Un objectif plus facile à atteindre si vos troupes n'ont pas à s'aventurer sur le champ de bataille. Oui. Je pense que mes parents vivent dans le code qu'ils m'ont légué. Et qu'ainsi, je ne suis jamais seul. D'accord. Ça me rappelle un truc que je dis souvent, moi. Je préfère avoir un trouillard vivant qu'un héros mort dans mon armée. Mais bon. Alors, on va continuer à se préparer quand même. Hein. Pas foufou non plus, le Goltor. C'est-à-dire que tu vas me mettre... t'es déjà attaqué, protection, elle. Ma gueule, toi. Elle est qu'à 100 PV. Celle-là, elle est 155.
Barrière ultrasonique, sèche, complexe de lancement, entrepôt, institut, jardin, observatoire. Mais il a aucun bâtiment de défense, ce con, ou quoi? Putain, mais il a aucun bâtiment de défense. Bon, c'est pas grave, tu veux me faire un observatoire... Non, tu vas pas me faire un observatoire... Si, allez. Tu vas me faire un observatoire omnispectral. Ah, mais non, c'était l'autre en bas qui a fait tout fait. C'est lui, il n'a rien fait. Ok, donc toi, tu pars sur une batterie de missiles. Mais comme je suis gentil... parce que je suis très généreux, moi, je suis comme ça. Donc, il part sur une batterie de missiles. Je vais t'acheter un périmètre de défense. Et en plus, même un petit peu plus d'argent, je vais t'acheter la cytopépinière. Donc, t'as dit que tu partais sur une batterie de missiles, on est bien d'accord. Batterie de missiles, parfait. Ok, alors, les unités, le gardien, le guardian. Ah, il peut partir là. Oh, j'aurais préféré là, moi. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Les obstacles d'un... Hein? Plus 100 attaques par tour? T'es sérieux? Mais t'es sérieux? Plus 1 attaque par tour? Non, ça se cumule pas quand même, si. Déplacement possible après une attaque. Oh, mais c'est génial ça! Torpilleur. Portée plus 1, déplacement possible après une attaque. Portée plus 1. Putain, mais c'est fumax ça! Alors attends, du coup j'ai transformé mes vaisseaux en... Ah, parce que sans déconner, si on peut faire des marines, c'est ils gagnent plus 1 d'attaque par tour. Genre tu les crées tour je sais pas combien, et puis t'attends 20 tours après, ils ont plus 20 de puissance quoi. Non, ça c'est des croque-morts. Où sont mes navires, navires là? J'en avais plein qui se baladaient partout, je me rappelle plus où, mais je sais que j'en avais. Navire s'il vous plaît! Putain! J'en avais en plus, j'en ai une chez... Ah, voilà! Non, c'est pas eux, eux c'est des argots, ça a rien à voir. Non, bon, tant pis. Je sais plus quelle c'est comme unité. C'est pas grave, c'est pas grave. Le satellite de téléportation, il est là, je crois. Non. Où est-il? Il est là? Non plus. Désolé, je cherche, hein. Je veux vous montrer tout ça. Putain de bordel, il est où ce con? Il est là. Transporteur phasique, c'est ça. Permet aux unités de se téléporter dans un sens seulement depuis une ville alliée jusqu'à une case sélectionnée. Ça, c'est cool, ça. C'est ça que je veux. Donc, il faut partir là-dedans. Allez, hop. Je vais vous montrer les téléporteurs. Hein. Parce que, de toute façon, maintenant, comme je vous avais parlé, comme je vous avais dit, niveau technologie, on s'en branle, on fait un petit peu ce qu'on veut. On n'est pas emmerdé là-dedans. Ils en sont où, mes petits dans 2 tours, il termine ça, et l'autre, dans 12 tours, il arrive peut-être à voler... Qui a volé l'argent de la ville? C'est moi. Donc voilà, mais c'est quoi tout ce monde là? Eh hey, mais il y a du monde. Voilà, mais c'est mes unités ça. Putain, j'en ai plein. Réacteur. Putain, il y a encore une... On a réussi à trouver une nacelle. Je sais même pas comment on fait pour trouver des nacelles encore à ce nombre de tours de jeu. C'est pas grave. Donc on a parlé du coup des transports. Enfin bref, vous comprenez du fait d'aller dans des véhicules ou autre. Comme quoi c'est automatique et qu'à part le téléporteur et le porte-aéronef, il n'y a rien. Je vous ai parlé des villes. Il faut que je vous parle un petit peu plus de l'espionnage. Donc ça, on est en train de le faire, ça en cours, hein, tout simplement. Et aussi des satellites. Bon, ça, ça va être fait dès qu'on aura terminé... non, pas dès qu'on aura terminé. J'ai des sous. Ouais, j'ai un petit peu de sous. Oui, une station, je m'en fiche. Oula, oula, alors attends. Notre agent a effectué sa mission sans problème. L'homme qui a réceptionné le fichier avait un tatouage étrange sur la main. Récompense plus un agent secret. Ok. Bien, bien. Bah écoute, petit agent secret... Alors attends, déjà toi... Tu vas me... Ah, il a déjà établi un réseau. Bon, bah tu vas essayer de piquer un petit peu la ville. Voilà. Ouais, lui niveau 3 et lui niveau 2. Et ensuite toi, on va t'assigner... Putain, mais l'autre? Attends, il a quoi comme ville? Il a que Deep Castle? Oh, putain, le mec, il a que Deep Castle? Ah, attends, non, non, c'est ce symbole-là. Il doit bien avoir une autre ville, cette espèce de con. Putain, il a que 2 villes, Stanmir. Ah ouais, t'es plutôt dans la merde, mon gars. Putain, c'est bon, ça. Putain, le mec, il a que 2 villes, on pourrait s'attaquer à lui, là. Miam, 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 miam. Bon, on va faire le satellite espion pour que je vous montre comment ça se passe. Ici, tu vas me faire... du coup, t'as terminé tout ce qui était défense. L'autre, il m'a pas attaqué. Je suis, sans déconner, je suis sur le cul qu'il m'ait pas attaqué.
Donc ça prouve que dans le jeu il y a de l'aléatoire. C'est génial en fait. Je viens d'apprendre ça maintenant parce que j'ai jamais cherché à recharger les parties tout le temps. J'aime bien faire une partie d'entrée, hein. Enfin d'entrée quasiment, mais je recharge généralement pas quand je me suis planté ou autre. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, les parties sont différentes tout le temps, mais en plus de ça, même dans une même partie, si vous chargez quelque chose 20 tours avant celui où vous en étiez, quand vous avez sauvegardé, ça passera pas pareil que la dernière fois. C'est génial, quoi. Ouais, non, mais c'est bien, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, toi. Allez, conspiration augmentée dans la ville, boum. Voilà, on va foutre la merde, bien comme il faut. Ah, mais c'est génial, en tout cas. C'est vraiment la classe. C'est le portail Renaf, ça, je crois, non? Ouais, le portail, ok. Elle est inutile lorsqu'elle est seule, mais sert de base d'opération. Voilà, donc en fait, c'est de la merde. Elle est vraiment, elle se défend tout juste, vous voyez, elle a que 18 de puissance, hein. C'est vraiment de la dove, hein. 3 de mouvement, mais à partir d'elle, on peut envoyer du coup les avions, ce qui permet de pouvoir lancer un assaut plus facilement contre des villes qui éventuellement nous pèteraient les burnes. Non, je ne pense pas. Je m'en fous de vous, je m'en fous, putain, vous comprenez pas quoi. Alors, je vais lancer mon satellite. Et donc, lui c'est un satellite espion, dont sa spécialité c'est de découvrir un petit peu ce qui se cache dans les environs. Donc, par exemple, ici on ne sait pas ce qu'il y a, hein, on est bien d'accord. Et ça regarde, ça voit les trucs 6 cases autour. Donc, je voudrais voir un petit peu plus près de Deep Castle. Donc, au pire, je vais l'envoyer là. Voilà. Tadam. Et du coup, j'ai mon petit satellite. Regardez comme il est mignon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas parlé de mes accomplissements. Je sais que ça en énerve certains, mais je n'éprouve aucun plaisir. Nous avons envoyé la capsule. Elle emmènera des objets loin de ce nouveau monde en direction de la Terre. Puisse-t-elle rassurer ceux que nous avons laissés derrière nous quant au destin de leurs êtres chers? Affinité, culture, production. Putain, bien. L'arc de la civilisation s'étend de l'Indus et la Mésopotamie jusqu'à l'autre extrémité de ce monde, en une ligne solide et ininterrompue. Ok, ok, mais reste calme. Donc du coup, grâce à ce satellite, vous voyez, on voit 6 cases autour, regardez-moi ça si c'est pas génial. On peut déverrouiller la map complètement, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais pas me faire chier. Je vais recréer un autre satellite espion. Attends, le complexe de lancement serait peut-être une bonne idée plutôt, non? Bon, je vais pas me faire chier, je vais l'acheter. Plus 4, ah non, on s'en fout de la couverture orbitale. On a assez de couverture orbitale. Toi. Tu vas me faire une petite cale sèche. Production navale plus de 20%, ce serait bien vu que t'es à côté de la flotte, toi. Et enfin, en amélioration, on peut améliorer notre petit artilleur en vengeur. Putain, il est beau, oh là là. Plus de 20% de dégâts. Ouais, on va prendre ça. Ah, plus 1 point de mouvement, ce serait pas mal ça. Non, non, on va laisser comme ça plus de dégâts. Hop. Ok. Bon, on a quasiment toutes les unités, hein. Enfin, il en manque quelques-unes, mais ça va, quoi. C'est pas dégueu, quand même. Putain, l'épisode qui avance. Bon, il nous reste du temps, mais ça avance vite, putain de bordel de merde. Et moi qui ai dit que j'allais dézinguer une ou deux civilisations par vidéo, voilà, quoi. Bon, on va le faire là, on va y aller là. Oh, mais il a la tonne de trucs, lui. Putain, tout. Et lui, il est bien. Une approche heuristique utile servant à déterminer la métacognition consiste à demander : cet organisme se contente-t-il de créer des outils ? Ou crée-t-il des outils qui en créent eux-mêmes de nouveaux ? Tu te poses beaucoup de questions, ma vieille. Beaucoup trop de questions. Du coup, on va explorer un peu plus là. Là, comme ça, même. Pouf ! Tu charges? Non mais oui, mais c'est bien. Tu charges s'il te plaît. La... Gérard, merci. Voilà, ok. Donc lui, il a juste un petit truc là. Ok, elle s'implante loin celle-là. Bon allez, ça suffit les conneries. On va créer... Où est notre petit... voilà, notre autoluge. Allez. Est-ce que je peux pas acheter quelque chose? Putain, l'argent que je génère partout. Putain, c'est bon ça. Ça c'est... Non, c'est des trucs combat rapprochés. Bah tu vas me racheter un satellite espion. Voilà. Alors, toi... Un tour, bah, tu vas faire ça quand même. La relique de la Terre ancestrale, c'est le premier truc à faire. La caméra, enfin la map a du mal à se charger. Elle commence à être un petit peu dans les choux.
Bon, les aliens, vous voulez toujours pas être copains avec moi là? Quand est-ce que vous passez en bleu? Que je montre un peu aux gens comment ça se passe? Quand vous êtes avec nous? Ce serait gentil ça. Ils sont tellement blindés de monde, eux. Putain. Ils ont vraiment un sacré paquet d'unités. Ils rigolent pas du tout. Ils me font chier, eux, avec leurs questions. Non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas, j'ai dit, je pense pas. En plus, je suis en train d'essayer de t'attaquer, t'es vraiment con, toi. Le mec, il cherche à faire des alliances alors qu'en fait, je lui balance des espions chez lui, tout. Bon, montre-moi ce qu'il y a là. Rien du tout. Ah, des nacelles. D'accord. Ok. Ah, mais ça, il me coûte rien, les satellites espions. Quand je veux les détruire, vous voyez, c'est marqué. Vous rapportera 0 d'énergie. Ah, il me coûte rien d'entretien. Putain, mais c'est génial, ça, les satellites espions. Je pensais pas qu'il me coûtait rien. Magan. Eh, il te reste pas grand-chose à construire, Magan. Tu le sais, ça. Toi, par contre, il te reste des choses à construire, toi. Toi, ça rigole pas du tout. Allez, allez. Au moins prendre... comment il s'appelle, là, lui, là? Attends. Ça serait bien de niquer cela là. Non, pas vous, eux là. Vanguard, Axiom et Central. C'est qui eux ici? C'est l'Arc. C'est la moitié espagnol américain, ça je crois, non? C'est American Recherche, je sais pas quoi, ou une connerie dans le genre. Oui, tout le monde est impressionné par tout ce que je fais, oui, on s'en fout. Et ma santé. La santé, comme elle est complètement pétée. Ah, l'agent est arrivé, Stanmire. Bah tu vas me faire un petit réseau. Allez hop, travail. Tout se passe bien, on est tous contents. 400, putain, 80 d'argent par jour. 449. Et faut vraiment que j'aille attaquer la ville, hein. Allez, il reste un peu plus de 20 minutes là. Faut se bouger l'oignon parce que sinon on va jamais y arriver. À ce rythme là, hein, sans déconner. Donc par contre, évidemment, hein, comme j'ai dit, on arrive en fin de tuto aventure. Donc là maintenant, on passe plus sur le côté aventure que tuto. Il reste encore quelques petits trucs par-ci par-là, mais c'est vrai que maintenant tout ça, on est au courant. Hein. Tout ce que je construis là comme bâtiment, c'est la même chose que dans les autres vidéos, juste que c'est sur une autre ville. Hein. Tout ce qu'on avait fait sur ces villes avant, ben, on le fait maintenant dans les villes sur lesquelles on avance un petit peu plus. Alors, par contre, je viens de penser à quelque chose. Mon armada de vaisseaux, où est-elle? Putain, pour les retrouver, sérieux. Allez, la faites pas chier. En plus, la map... Ah, elle est là. Donc, armada de vaisseaux. Je veux reprendre le contrôle de tout le monde. Voilà. Prochain tour, je récupère le contrôle de tous ces cons. Bon, je suppose qu'il doit peut-être y en avoir un ou deux qui traînent encore par là, mais eux ils sont paqués, je sais pas pourquoi ils sont paqués d'ailleurs. On va niquer l'arc. On va les amener jusqu'ici, et avec tous les vaisseaux qu'on a, je pense que c'est des villes à 13, 15, c'est vraiment de la merde. Celle-là elle sera un peu plus dure à prendre évidemment, hein. Mais avec des petits sous-marins, on va les mettre par ici, la ville pourra pas m'attaquer et je le bombarderai, hein, de manière assez pupute. En plus c'est bien parce que si jamais je prends le contrôle enfin je gicle beaucoup de factions, on aura moins de tours à patienter. Vous voyez ce que je veux dire, ça ira de plus en plus vite en fait. Attends toi, putain par contre ça va être chiant. Ici, tu vas aller là. Est-ce que tu peux aller là? Ouais, il a l'air de vouloir y aller. Le suivant, voilà, il va passer automatiquement. Hop, tu vas aller là. Je les mets au hasard, hein, je m'en fous. Le suivant, tu vas aller... C'est dommage qu'on puisse pas faire de groupe, ça c'est un peu con ça par contre. Par exemple de sélectionner, vous savez, en faisant comme ça, enfin bon là je peux pas parce que quand je le fais ça clique. Ah tiens, Makara, je pourrais vous le montrer, tiens. Mais sélectionner en fait, comme dans d'autres jeux de gestion de tour par tour, un peu pareil. Alors je vais vous montrer ce qu'est un Makara. Vous voyez ce truc là? C'est le troisième titan, donc on a vu des Kraken. On a vu des vers de siège et maintenant on peut voir un Makara. Et donc le Makara, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien lui, il peut aller sur la terre comme dans l'eau. Il n'a rien à péter celui-là. Lui c'est mode balestec, je te défonce ta race. Donc vu la taille du bestiau, vous imaginez bien un petit peu comment il doit faire mal. Et je vous rassure, il fait très mal. Niveau des quêtes, il m'a rien donné de plus. Non, il veut que je fasse une opération de secrète de niveau de conspiration 4.
Et lui, il veut que je fonde une ville à côté de l'aéroche. Ouais, on verra bien. Les villes, je les fonderai pas vraiment, je les capturerai. Allez, mon armée. Ils ont combien de dégâts, eux? 48. Non, non, pas échappe, reste calme. On va les défoncer. Sans déconner, rien qu'avec cela là, on peut prendre le contrôle de... Allez, voyons. Alors, attendez. Non, doucement, putain. La caméra se tape des tripes, des fois. C'est de là déjà d'un coup. Rien qu'avec une seule unité, je pense qu'on peut prendre le contrôle de ces trucs-là. Une seule unité ou quasiment, hein. Ah merde, ils se bloquent tous. Oh, vous faites chier, hein. Faites vraiment chier, hein. Bah, tu viens... Putain. Eh, bah, tu viens là, là. Allez, hop, hop, hop. Ah, tu fais pas chier. Travail, c'est bon, personne m'emmerde. Qui c'est qui peut s'approcher de chez moi, là? Ah, les aliens. Ah non, on tape pas sur les aliens. On dit qu'on restait gentil avec eux. Arrête, putain, ce bout. Voilà. On a dit qu'on restait gentil avec eux. Non, je pense pas. Au revoir. Voilà. Allez, passez en bleu là. Bleu ciel, s'il vous plaît. Bon, ça met du temps, malheureusement, hein, avant que les aliens soient potes avec vous. Mais ça va assez vite quand même. C'est pas non plus trop long. Par contre, tant que j'y pense. 22 tours. Putain, 22. Putain, en même temps, 40 et quelques tours. Mais avec ça, ça va être génial, quoi. On va tellement avoir de dégâts. Vous imaginez quoi? Les unités, même si elles sont blessées, elles ont toujours autant de dégâts. C'est monstrueux. Bon, évidemment, j'ai peut-être pas montré... Eh, pas de conneries le lag. Hein. J'ai eu peur. J'ai pas montré toutes les merveilles qui étaient possibles de construire, parce que les autres civilisations les avaient construites à ma place. Vous inquiétez pas. Voilà, on a montré le plus possible, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. Et après, bah, ce sera à vous quand vous jouez. Hein. Quand vous jouez, vous regardez un petit peu les arbres de technologie. Vous partez sur ce qui vous semble le meilleur, hein, comme je vous avais dit. Vous n'êtes pas obligé de faire... vous n'êtes surtout pas même obligé de faire comme j'ai fait moi, partir sur la pureté. Si vous partir vers l'harmonie, ou dès le début faire alien, enfin, ami avec les aliens. C'est génial du coup, parce que vous avez votre propre armée. Et au début, ça peut permettre de vous focaliser plus sur les constructions et sur les sciences que de construire des unités. Et les aliens s'occupent pour vous de gérer et de foutre la merde. Bon, bien, toi mon petit lève, tu es disponible. Allez, viens par ici. Oh, comme ils sont beaux, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là, je pense pas. Oh là là là. Non mais tu continues. Tu me fais un RNDNC, c'est quoi ça? Soldat drone, robotique, fiable, unité de combat rapprochée, défensive et résistante. Non mais je m'en fiche. Tu vas me refaire une autoluge. Allez hop. De l'autoluge encore et toujours. Toi, putain, on commence à avoir un nombre de trucs à créer. Une petite turbine. Au niveau des sciences, pénalité de culture enlevée. 40% en moins. Ça, c'est bon ça. On est passé à 75. 133 d'argent généré par tour. Oh là 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 là. Ah, si c'est pas la classe, ça. Avec ces musiques. Elles sont trop cool. Ça y est, j'ai pris d'ailleurs du coup la bande originale. Je l'ai téléchargée légalement. Excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. Et du coup, je la conseille parce qu'elle est vraiment géniale. À se mettre, vous prenez ça plus FTL, Faster Than Light, hein, pour ceux qui connaissent pas, et aussi la bande originale de Tales of Zestiria. Vous avez trois bandes qui sont vraiment génialissimes. Vous avez quoi, vous écoutez des petits trucs bien tranquilles. Alors évidemment, hein, c'est pas épique en mode bourrinage et tout. Qui c'est qui lui tape dessus là? C'est les polystraliens qui se fritent avec eux. Ah mais c'est génial ça. Comme ça j'aurais même pas à m'approcher. Je vais les laisser se taper un peu et je vais récupérer les miettes. En mode niam 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 niam. Oh ça c'est mon vaisseau ça. C'est mon sous-marin, je l'avais demandé de venir ici. Je sais plus. Je sais plus du tout. Elle prend cher la ville. Oh, sérieux? T'as pris aussi cher en peu de temps là? Sur qui il tape là? Ah mais en fait ils se fritent avec tout le monde quoi, c'est la folie. Ah mais c'est eux là, CPA là. Ils s'agrandissent beaucoup trop. Eux ils vont être dangereux, très dangereux. C'est pas grave, on les gardera pour la fin, on leur pétera la bouche.
Ouais, j'ai l'impression que ici c'est pour les aliens. Ouais, on les laisse tranquilles, les aliens. Alors vous, il y en a deux qui se touchent là. Toi, tu as réussi à voler les ressources. Putain, oui, regardez-moi ça. Bah écoute. Bien. Alors la conspiration a augmenté ici. Yeah, regardez-moi ça comme la conspiration elle augmente. Bah écoute, tu vas voler de la science. Voilà, au travail. Toi, donc tu as établi le réseau, tu vas voler. Bah, tu vas essayer de voler de l'énergie. T'as pas beaucoup de chances de survie, mais écoute, c'est comme ça qu'on se forge, mec. Au travail. Allez, allez. Donc, vous voyez, maintenant je gère un petit peu plus là sur cette vidéo les. Comment dire, les. Les agents secrets, ça peut vous aider quand même à prendre le contrôle de certaines villes un petit peu plus facilement. Avec tout l'argent que j'ai, par contre, il n'y a pas de mon bel ami. Où est mon armada? Elle arrive. Je vais acheter des sous-marins. Je vais acheter 3-4 sous-marins. Je vais pas me faire chier, j'ai tellement de pognon. Eux, je les laisse se fracasser sur la ville. Je m'en fous. Et je vais raser les villes. Je vais garder que les capitales parce que garder les villes, c'est pas bon. Vous vous rappelez, hein, santé, tout ça. D'ailleurs, je suis à 40 ici. Oh là là, hein, je suis pas au maximum encore en croissance. Donc c'est 45 alors le max. Ouais, et comme je disais, je vais garder que les capitales. Parce que les petites villes, le temps qu'elles... Parce qu'elles sont au début, elles sont en révolution. Puis après, il y a le... Comment ça s'appelle, la loi martiale. Ça me donne un malus et tout en santé. Ça fait trop chier. Je garderai que les capitales qui sont déjà équipées. Les petites, je les rase. Je vais les raser. C'est quoi ça? Donc ça c'est une merveille, un nourriture tous les 4 citoyens dans la ville. Fais péter, écoute. Fais péter les merveilles. Donc toi t'as construit tout ce qu'il fallait, c'est bon ça? C'est bon. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a un gosse, truc. Il a que 2 villes celui-là apparemment. Allez putain, charge-toi là, sérieux. Ok, donc il a que 2 villes. On n'est pas très loin, bah écoute tu vas commencer à créer des... Tu vas commencer à me créer quelques petits sous-marins toi aussi. Attendez, fais des sous-marins. Je réfléchis, je regarde ce qu'on pourrait faire. Vous savez quoi, je vais faire un porte-aéronef, tiens. Pour vous montrer comment ça marche avec les dards. Et avec les dards, on va s'amuser à... Ouais, bah vous avancez jusqu'ici, allez. Voilà. Et avec les dards, on va attaquer un peu grâce aux portes aéronefs pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Merde, j'ai dit que j'allais acheter des... C'est pas grave. Putain, 2000 d'argent. Oh. C'est quoi qu'il a eu? C'est quoi ça? Un croiseur. Ok. Lui aussi, c'est pareil. Il a quand même quelques villes, lui. Freeland elle est balèze, mais les autres c'est des villes de merde. Mais c'est quand même lui, hein. Lui il est vraiment... Lui il est en train de pleurer quoi. Il se fait martyriser, c'est la tête de turc de la partie quoi. Toutes les civilisations sont arrivées sur la planète, ils ont dit bon on va tirer la courte paille. Et celui qui a la paille la plus courte, il se retrouve à se faire attaquer par toutes les civilisations quoi. Et c'est tombé sur lui. Le mec il est dans une merde mais vraiment phénoménal quoi. Type Castle, il se fait assiéger et tout, c'est bon ça. Je veux pas qu'il apprenne lui par contre, parce que lui il a beaucoup trop de puissance. Ce serait trop dangereux. Écrase tes unités sur cette ville, perds du temps, perds de l'argent. Construction. Bah toi t'as de quoi faire hein. Hop là, tu vas partir sur un petit observatoire. Alors par contre ici... Il manque 4 tours. Je vais acheter, je vais pas m'emmerder, hein, comme j'ai dit, un croque-mort. Voilà. C'est génial parce que du coup, comme ils deviennent invisibles, ça donne une... Vraiment, toutes les villes qui sont côtières ou maritimes, voilà, que vous les malmener méchamment, quoi. Par contre, reste pas là, toi. Hein. Fais gaffe, hein, les alliés ne vont pas être contents si tu pètes les lignes. Alors oui, du coup, je dis adieu aussi aux artefacts. Mais ça c'est pas grave. C'est pas méchant du tout ça. Ouais je pense que combien... Ouais il reste une dizaine de minutes. Je pense qu'en une dizaine de minutes j'arriverai à prendre le contrôle de ces 3 villes là. Celles qui sont au-dessus, ces 3 là. Ouais je pense que ça sera tranquille. Le croque-mort je devrais l'amener par ici déjà.
Elle est vraiment solide la ville quand même. L'autre il se pète les dents dessus. Tant mieux, tant mieux. S'il fait perdre des unités comme non, moi je dis pas non. Alors petite chose aussi que j'ai oublié de vous parler. Est-ce qu'on peut avoir un exemple par exemple? Est-ce qu'on peut avoir un exemple par exemple? Bref. En fait, pour savoir si les unités sont puissantes ou pas, si c'est des unités vétérans, regardez. Vous voyez au-dessus de lui, il y a un petit V. Enfin un grade. Ça veut dire qu'il est, on va dire, niveau 1. Ceux-là sont niveau 2, et si on regarde les miens. Bon, celui-là il est niveau 0 hein, parce qu'il vient de, il vient de pop, mais ceux-là sont niveau 3. Vous voyez? C'est là qu'on voit si c'est des unités qui sont vétérans ou pas en fait. Tu vas te mettre là hein. Hop. Toi tu vas aller là. Mais quoi, tu peux pas passer? Bon allez, viens ici. Bah viens ici, écoute, mets-toi là. Et tu te mets en état d'alerte. Donc un autre croque-mort. Le croque-mort il va aller ici. L'autre croque-mort, où est mon deuxième croque-mort là? Toi. Hé, où tu vas toi? Faut que je reprenne ton contrôle, toi tu fais n'importe quoi. Vous allez ici. Bah tu sais quoi Ouais, à la guerre hein. Ouais non mais c'est un ordre, à l'assaut. On devrait lui mettre sa race normalement. Voilà. Ah putain. Allez, rase-moi la ville. Bon bah comment dire. Voilà, y a pas de. En fait y'a rien à dire, c'est juste que mes unités sont vraiment trop puissantes quoi. Elles sont tellement été améliorées au fur et à mesure du jeu. Que maintenant je peux me permettre de prendre des villes en mode complètement gratuit quoi, c'est pas de respect du tout. Mais alors zéro, c'est... voilà. Bon bah cette ville est à moi, c'est bien, c'est une bonne chose. Oh bonjour toi. Donc il a quand même quelques unités, il pourrait me reprendre la ville assez facilement hein, mais bon. Ce que je lui ai mis. Alors du coup j'ai choisi raser la ville, vous voyez maintenant il y a des petites flammes. Dans 6 tours, la ville sera détruite, mais parce qu'il y a 6 habitants. S'il y avait 2 habitants, ce sera dans 2 tours. S'il y avait 1 habitant, ce sera dans 1 tour. Vous avez compris le système, quoi. Oh, mais c'est génial. Ouais, bah, ouais. Sans déconner, en 2-3 vidéos, on aura tout plié. Hein. Rien qu'avec ces cons, là, ce que je suis déjà en train de gagner en puissance, avec tout le pognon que j'ai, je vais acheter plein de navires, plein de trucs. On va tout bombarder, tout pilonner. Et je vous ai dit, on va garder une petite ville de merde, juste histoire de finir la partie. Pépère en débloquant toutes les ressources, tout le bordel, et comme ça, bah, on pourra dire que le tuto aventure sera vraiment terminé bien comme il faut. Alors, lui doit être en train de se chier dessus. Pourquoi je peux encore passer? Merde, j'ai pas passé mon tour, quel con. Il doit être en train de se chier dessus, il est en train de dire bon, il y a qu'une unité qui vient m'attaquer. Mais c'est pas possible! Si, si, c'est possible. Ah, il a repris la ville ce bâtard. C'est pas grave. Ne bouge pas. Ouais, t'as repris la ville, c'est pas grave. Je vais te reprendre ta gueule. Qui c'est qui veut passer en neutre? Ah lui. Putain, mais regardez-moi ça, il veut devenir maintenant neutre. Non, toi la ferme. Alors qu'avant il m'a déclaré la guerre ce mec. C'est chaud quoi. C'est cool, mais c'est vraiment bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc toi tu vas dégager. Ah pas complètement hein, t'aurais pu faire un effort quand même, c'est pas... Alors oui toi. Toi je t'ai dit d'aller là. Toi bah, tu vas lui mettre un petit peu sa mine quand même. On va pas déconner non plus. Vas-y vas-y. Piou 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 piou. Oh putain il est trop chiant ce truc. Toi bah, tu me reprends ça. Oui, c'est un ordre, c'est bon. Et tout à l'heure, t'as pris la vie alors qu'il est à 100% PV. Alors maintenant, à 50%, c'est bon quoi. Et voilà, tu rentres là-dedans, tu dérouilles tout ça. J'ai dit qu'on rasait la ville. Toi, tu vas aller par là. Hein. On va commencer à se positionner pour la suite des opérations. Toi, tu vas aller ici. Voilà. Ah, par contre, j'ai perdu l'unité qui était dedans. Ah, ça, c'est con ça, par contre. L'unité qui était dans la ville a été détruite lors de la prise de la ville. Ah, je savais pas ça par contre, que ça détruisait l'unité en question. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on a perdu une unité. Non, au revoir. Allez, que voulez-vous? Oh putain, ouais.
Si nos premières cales sèches étaient basées sur l'ancrage des navires et l'assèchement de la zone qui les entoure, les récentes études de propriété de les roches laissent à penser qu'il pourrait exister une meilleure solution. En construisant un derrick, nous pourrions élever le vaisseau au-dessus de la tête de nos ouvriers, ce qui leur permettrait d'utiliser du matériel plus large et plus lourd. Cependant, les baies que nous avons construites sont utilisées par les navires commerciaux. En les agrandissant, nous pourrions potentiellement soutenir plus de projets, en plus de notre construction navale, ce qui serait bénéfique à toute la colonie. Production plus 10% plus unité navale ou production plus 1, tout court. Production plus 1, tout court. Ok. Donc la ville, donc 6 tours, elle est détruite. Eux, ils s'approchent un peu, mais on va vite les calmer. Où sont mes vaisseaux? Où est mon autre croque-mort là? Eh oh! Il m'en manquait un croque-mort là. J'en ai un là. Mais je n'avais pas deux. What the fuck? J'en avais pas un deuxième? Non? Ah, bah il est là! Mais s'y branle ce con. Il bouge ou il dort? Putain, il a pris cher ce verre. Pourquoi il a aussi coupé? C'est pas grave. Eux ils se défendent, tout va bien. Eh, Deep Castle elle est mal. Elle va tomber. La capitale elle va tomber. Voilà. Bon, alors du coup, vous par contre, technique de l'invisibilité furtive. Ah bah, espèce d'enculé, tu me vois pas? Je suis un ninja. Ah, t'es emmerdé, tu l'as dans l'os. Hein, 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 hein. Bah, vous montez de niveau, écoutez. Mais vous m'attaquez ça? Tu vas là? Oh sa maman! Qu'est-ce qui se passe? Oh là, oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Caméra, s'il te plaît. Bon, il y a beaucoup de choses en même temps. Toi, tu vas me faire ça. Toi, tu vas partir sur un laboratoire. Et donc toi, tu te démerdes, tu fais ta vie, j'en ai rien à foutre, tu vas crever. Quête. Oh putain, je lis pas tout. Turbineux ou santé? Santé. Voilà, on a combien de santé? 43, c'est bon ça, putain. C'est bon, c'est bon. Qui sait pas quoi faire là? Toi. On va m'attaquer ça. Donc, comment ça se fait qu'il a autant d'unités lui? Attends, mais c'est pas... Ah, mon porte-aéronef. Bien, bien, bien. Allez, viens là, qu'on te voit. Regardez-moi ça s'il est pas beau ce petit porte-aéronef. Putain, la caméra par contre se tape des tripes. Tu peux m'attaquer, c'est con? Oui. Bon, je vais me faire attaquer par la ville après, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. À dégager, bande d'enculés. Ils sont trop forts, mes lèvres. Alors, qui vous êtes-vous? Amen. Ah, donc elle a été récupérée par quelqu'un d'autre. Je suis en guerre avec eux aussi, je suis en guerre avec tout le monde en fait. Putain, ce bordel. C'est le bordel complet. Je vais acheter un croque-mort. C'est vraiment le bordel, je suis en guerre avec tout le monde, c'est pas grave. Je me souvenais pas que je suis en guerre avec autant de gens. Ouais, bon là je prends des dégâts, c'est normal. J'étais un peu trop proche de la ville, mais c'est pas méchant. Ça va être un gros combat par ici, par contre. Bon, lui, il a fait en ville fantoche. Vous voyez le petit... voilà. Vous voyez la croix comme ça, ça veut dire qu'il la gère pas et se gère toute seule. Il leur reste 5 tours avant de cramer. Le fait que les êtres humains aient pu atteindre de nouveaux mondes à l'aide de la science informatique et plus des importations est aussi impressionnant qu'affligeant. Si tu le dis, madame. Quelle merveille de pouvoir parler à la machine dans son propre langage et qu'elle puisse répondre dans le nôtre. Ok, donc on a l'entretien des unités moins 25%, c'est bon ça? Non. Non. Tu vas ici et tu me tires sur... Ah pas encore, bon c'est pas grave. Toi tu te barres parce que... Voilà, la vie n'est pas contente. Je vais te mettre là. Tu vas prendre plus de puissance, tu vas te reposer. Alors vous, vous êtes contre moi, on est bien d'accord. Ah non, ils sont pas contre moi. Putain, ils sont pas contre moi en fait. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti la guerre, contre tout le monde, je m'en fous. On l'a décu. Va latter des culs.
Attaquez-moi tout là. Je combats sur deux fronts différents. Le mec il a pas peur, mais alors, mais tellement pas. Par ici. Donc toi, tu étais bien en train de te toucher les bourses, hein, j'avais bien raison. Tu viens là. Oh putain, c'est vrai que j'ai une autoluge aussi. Oh là là, toutes ces unités, toutes ces unités. Alors attends, porte aéronef, t'attends deux secondes. Ici, on va acheter un... Oui, le dard. Alors attends. Virtuose 2, laser orbital. Ça c'est quoi ça? Bombarde des unités hostiles avec une puissance modérée. C'est pas mal, mais c'est pas ça que je veux. Je veux le dard, moi. Il est là. Hop, tu m'achètes ça. Donc toi, tu patientes. T'attends un petit peu. T'attends. Tu fais dodo. Vous, vous allez m'attaquer. C'est possible d'aller attaquer cela? Non, tu vas m'attaquer cela au pire. Cette fois-ci, on va pas faire les cons. On va d'abord tuer toutes les unités autour et ensuite prendre la ville. Pour éviter de perdre des unités lors de la capture de la ville, en fait. Ok. Donc toi, tu vas me faire... Ça marche bien, ces petites unités... C'est lesquelles? C'est... Merde, putain, je sais plus les noms. Alors, attendez. C'est les lances... Non, c'est pas les lanciers. C'est les comtesses. Voilà. C'est ça, hein? Je crois, je sais pas. Je sais plus, putain, putain, il y a trop d'unités. Allez, tu vas me faire une petite banque nodulaire. Voilà. En amélioration, on peut améliorer nos lanciers, qui vont partir là-dedans. Et... zone de contrôle ignorée lors des déplacements. J'ai envie de dire, pourquoi pas s'emmerder. Puissance, vol au-dessus de la terre et de l'eau. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Et les drones. PV soigné pour toutes les unités adjacentes. Alors, c'est des médics un peu. Vous les mettez à côté de vos unités et elles les soignent à chaque tour. Donc, ça, c'est cool. Le téléporteur est ici. Dans 20 tours, on pourra le montrer. Des téléporteurs d'unités directement. Ça sera génial, ça aussi. Hein, de montrer, téléporter des packs d'unités directement sur la gueule des ennemis. Putain, on est à la fin de l'épisode! C'est pas vrai, hein. Bon, en tout cas, je suis content. Il a pas planté, j'ai réussi à récupérer la sauvegarde. C'était juste. Et sans déconner, ce signe du destin de faire une sauvegarde rapide sans faire exprès. Heureusement, heureusement qu'on l'a faite, hein. Putain, sinon on aurait été tellement dans la merde. Il a repris Axiom, ce bâtard? Non, il a pas repris Axiom. Me dis pas qu'il a repris Axiom. Non, il a pas repris Axiom. Elle est en train de cramer. Tout va bien. Ok, j'ai eu peur. Alors, Dar, oui, alors. Reviens ici. Donc Dar, je veux que tu changes, pas balayage, hein, je veux pas réaffecter, voilà, réaffecter, tu vas partir ici, dans le petit, de le petit aéronef. Et donc toi, monsieur l'aéronef, tu vas partir par là, hein. Hop. Donc du coup, à partir du porte-aéronef, maintenant, on pourra lancer des assauts sur les ennemis, tout simplement, grâce à ces petits avions. Voilà, ça dégage. Putain, mais il meurt pas, hein. Il meurt pas, tu vas crever, hein, je te le dis, hein, charogne. Voilà. Ouais, tu peux mourir quand tu veux. Toi, tu me le bombardes. Hein. Tu me le bombardes. Allez, fais pas ton chien là. C'est pas grave, tu viens là, tu le bombardes. Si c'est que ça qui peut te faire plaisir. Merci bien. Toi, tu vas m'attaquer cela là. On rentre pas dans la ville encore. Voilà, ça tombe. Petit lève. Toi, tu ne peux pas attaquer là, hein, c'est clair et net. Ah, tu peux te déplacer un petit peu quand même. Pas dégueulasse, en... Hop, tu vas aller là. C'est soigné. Et en construction ici, tu vas me faire une banque nodulaire pour augmenter encore les PV et la défense des villes. Là, c'est bien qu'on se défende un peu parce que ça pue du cul quand même sévère. On va se faire attaquer par tout le monde. Tu viens ici. Putain, il faut que je pense à chaque tour à acheter des unités. C'est pas vrai, hein. Oh merde. Alors pourquoi je me fais tirer dessus? Parce que ce con. Ah, ça y est, il me voit plus. Donc maintenant, techniquement, je suis invisible. Je suis un ninja. Un vrai ninja. Tu veux coopérer? Ouais, vas-y, coopérons. Non, je pense pas, au revoir. Croyez qu'elle allait coopérer avec moi pour récupérer des trucs, c'est. Va te faire foutre. Tu récupéreras rien, bitch. Ouais, vous pouvez essayer de faire quoi que ce soit. Alors là, vous allez prendre votre race.
Parce que mon petit lève, il déconne pas lui. C'est un vrai, c'est un dur de dur. Et encore, j'ai pas mon... ma... comment ça s'appelle, ma... ma merveille qui permet d'avoir autant de puissance que si j'étais à sec, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Porte aéronef, bah, tu vas aller là. Tu vas te déplacer un petit peu. Bah, le dard, pour l'instant... Pour l'instant, tu fais dodo, t'attends. Alors vous, mes cochons. T'as fait autrement. On va essayer de faire ça intelligemment. Toi, tu me dérouilles cela. Voilà, ça c'est fait. Ça tombe. Ça tombe. Allez, oh. Non, le truc là, qu'il en peut plus. Ah, quand même. Je sais. Le truc qui dure indéfiniment. Toi, tu les attaques, eux, pour les affaiblir. Voilà. Du coup, toi, tu te mets là. Merde, je serai visé. Par qui je me ferai voir? À part toi, connard. Dérouille-le. Tu es dans sa gueule. Donc toi, tu m'attaques celui-là. Maintenant, il va mourir. Voilà. Et donc toi, tu m'attaques cette ville. Oui, c'est un... Attends, non, attends. Laisse-moi réfléchir. Déjà, t'as augmenté les gars. Et tu m'attaques cette ville. C'est un ordre. Au travail, soldat. T'es pas payé pour toucher les bourses. T'es là pour faire la guerre. Putain, la ville, ce qu'elle prend. Et donc, qu'avons-nous ici? Nous pouvons augmenter la science pour chaque académie. Je prends. Et en plus de ça, on a un bonus ben, grâce à notre faction. 15% de la culture en science. Eh, vas-y, fais péter ta science, encore et toujours. Putain, 223 de science, 160 d'argent. Si ça, c'est pas des statistiques de barré, je sais pas ce qu'il vous faut. Toi, on va acheter à chaque tour une comtesse. C'est bien les comtesses? Non, les comtesses, ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Putain, c'est pas les comtesses que j'ai. Hein. C'est quoi, ça? C'est des... Ça, c'est des autobuches. Putain, ça, c'est des... Ça, c'est des argots. Oh putain, bah, je sais plus. Ça, c'est des vaisseaux un peu plus puissants. Tant mieux, hein, tant mieux, écoutez. Qu'est-ce que tu fais, là, pour d'Axiom? Il prend sa race, t'es. De toute façon, Axiom va être détruite dans deux tours, donc tu peux essayer de faire ce que tu veux. Hein, c'est... Ah merde, mais lui, il va mourir, lui. Je me fais tirer dessus par tout le monde. Donc là, il y a une technique. Quand vous êtes trop emmerdé avec un sous-marin, vous vous cassez, vous redevenez invisible. Il faut qu'on aille se planquer. Et c'est ce qu'on va faire, oui, il est repéré, il faut que je sorte de cet endroit pour être tranquille. Bon, de toute façon, eux, cette ville est à moi, hein. J'ai tout le monde qui va dérouiller tout ça. On va la raser aussi, hein, pareil. Donc toi, tu vas sortir hors du périmètre de visibilité, tu vas te mettre là. Tu vas monter le niveau et tu vas te reposer, tu vas rester tranquille, tout va bien. Vous allez par ici. Toi, tu montes de niveau et tu te reposes. Toi, tu vas aller m'attaquer cette ville. C'est un ordre. En plus, tu risques de la prendre d'un coup, donc j'en viens pas pour être dans ma tête. Hop, tu montes de niveau. Voilà, tu montes de niveau. Tu me rases la ville. Et vous restez en récupération de PV, montée de niveau, récupération de PV. Ah, mon porte-avions. Voilà. Alors, ma petite comtesse. Tu vas aller par là. Allez hop. On bouge. Toi tu bouges vraiment où il faut toi ou Ouais. J'aime pas trop ça. Hein. Par contre toi. Attaque mêlée là. Histoire que s'ils pensent qu'ils peuvent prendre la ville, que ça leur fasse un peu bizarre. Voilà. Comme ça s'il attaque la ville lui tirera des missiles sur la tronche et il pourra rien faire. Ouais, je sais, je rogne encore sur le temps, putain. J'ai dit que je voulais éviter de faire des épisodes à rallonge. Putain, j'en ai un qui me fait bien. Voilà, il dégage. Ah, il est encore vivant. Ah, putain, costaud le mec. Allez, à ce tour-ci, j'arrête. Tant pis, j'arriverai pas à récupérer. Comment ça s'appelle? Toutes les villes. Mais bon, on aura quand même pris deux villes. On s'y prend un peu tard. Ça va, c'est pas dégueu. Lui, il est redevenu invisible. Ça c'est cool. Oh là, alors attends. Vous allez vous faire foutre. Voilà. Toi, tu vas me créer une barrière. Toi, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. De toute façon, la ville est appelée à disparaître. Vous,
bah vous allez, j'ai envie de dire, vous allez vous commencer à vous positionner par là pour aller voir les petits Américains là. Vous restez en état d'alerte. Pareil, toi tu viens ici. Mon petit porte-avions. Je l'appelle le porte-avions, c'est le porte-aéronef, mais c'est le même principe. Voilà. Toi, bah, tu les mitrailles. Ah, ça y est, la ville a disparu. Elle a été détruite, entièrement détruite. Parfait! Et il nous reste donc ce monsieur. Et tu vas... Ah, cool. C'est la merde ici, regardez. À Centrale, c'est la merde complète. Donc déjà, tu vas me voler de la science. On n'a plus qu'à attendre. Bon, bien voilà, on va faire une sauvegarde. Hop. Sauvegarder. Écrase-moi ça. Et au cas où, même. Au cas où. La petite sauvegarde rapide. On n'est jamais trop prudent. Allez, mais écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez toujours pas. Ça me fait très plaisir que vous me les posiez. Comme je vous ai dit, hein, des fois, je pense pas à tout. Il y a tellement de trucs. Je suis parti dans mon délire. Je fais mes conneries là. C'est pour ça d'ailleurs, des fois, c'est un peu le bordel. Je raconte un truc, un autre et tout. Mais bon, n'hésitez pas à me le dire. Ça me dérange pas du tout, et même au contraire, hein, comme je l'ai dit, je le répète encore, ça fait du bien, voilà, comme ça je permets de rectifier le tir à chaque vidéo. Et si vous l'y avez pas fait, hein, si j'avais pas eu les commentaires en me disant ah, t'as oublié ça ou ça ou ça ou ça, ou si je m'en étais pas aussi rendu compte, parce que des fois je me dis, Goldtor, t'as oublié de parler de ce truc là, et ben il y aurait que deux vidéos tuto. Hein. Là vous direz, chouette ton tuto aventure, bravo Goldtor, tu nous as expliqué deux trucs et tu nous as essayé de nous démerder. Allez, je me casse, sur ce à plus. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!